ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Dans un autre hadith authentique, celui-là il est rapporté par Al-Mundhiri dans Targhib wa Tarhib et l'imam Al-Albani rahimahullah a dit qu'il était acceptable. Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui fait de ses soucis un seul souci, le souci de la rencontre d'Allah, le souci de l'au-delà, Allah lui suffira pour tous ses soucis. Par contre, celui dont ses soucis se disperseront dans les affaires de ce bas monde, Allah n'a que faire dans quel coin de la terre cette personne va mourir. Dans un autre hadith authentique, rapporté par l'imam Ahmed, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le sens de ses paroles, celui qui fait de ses soucis le souci de l'au-delà, Allah remplit son cœur de richesses et lui fait venir ce bas monde avili à ses pieds. Alors que celui qui fait de ses soucis le souci de ce bas monde, alors il verra toujours la pauvreté face à lui, et il n'aura que ce qu'Allah lui a décrété, subhanahu wa ta'ala. Cela ne changera rien. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا.